Bon matin, bon matin, bon matin. Je regarde, voilà. Alors, un beau spécial aujourd'hui sur notre collagène marin sans saveur. Je sais pas lequel est votre préféré, parce que des fois, on est numéro un avec celui aux agrumes et la semaine suivante, c'est avec celui sans saveur. Bref, aujourd'hui, c'est celui sans saveur qui est en spécial. J'aime ça qu'on l'ait eu en début d'été, puis là maintenant, alors que la rentrée est amorcée, bon matin tout le monde. Alors, c'est bien qu'on répète ce spécial-là deux fois dans le projet d'été, début et fin. Comme ça, vous pouvez vous faire des provisions. Bon matin tout le monde. Alors, collagène marin et silice. Notre silice qui est exceptionnel, qui est en spécial. Alors, la silice, il y a un consensus formé par les scientifiques qui mentionne que, selon les écrits et les études, ça devrait être un nutriment essentiel et ça va participer à la cohésion. Donc, la silice et le collagène, c'est un duo vraiment qui va avoir des belles répercussions, autant au niveau de la peau, parce que la silice est homologuée pour la santé de la peau et des cheveux. Et notre silice, ce qu'elle a de spécial, parce que vous savez que tous nos suppléments ou nos produits de santé naturelle sont toujours formulés selon les meilleurs ingrédients et avec les synergies optimales. Donc, ici, la silice, elle contient 25 mg par capsule. Vous allez voir que ce qu'on retrouve sur le marché, c'est beaucoup moins que ça. Je vous dirais que c'est le cinquième de ça, même un peu moins. Et elle va jouer un rôle important. Ça, c'est au niveau de facteurs de cohésion. Bon matin. Allô! OK, là, je t'entends. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Merci. Alors, Annie, on met en spécial aujourd'hui notre collagène marin sans saveur. C'est celui que tu prends? Oui, exactement. Oui. Parce qu'il s'ajoute à n'importe quelle boisson. Oui, puis moi, je le prends surtout à l'heure du midi, parce que je le mélange avec le complet. Et avec le complet, à ce moment-là, je mets ma dose de créatine dedans. Je mets les champignons plus adaptogènes aussi à l'intérieur. Okay. Et je vais mettre 2 cuillères à thé de jus de citron parce que moi, j'aime beaucoup le goût salé. Alors, je vais mettre 1/2 cuillère à thé de sel. Wow! Alors, avec le collagène, le complet, la créatine, j'ai rajouté dernièrement champignons plus adaptogènes, jus de citron et la 1/2 cuillère à thé de sel. Mais ça me fait comme comme un jus de légumes, un petit peu salé, avec ce petit goût-là de citron et de champignons aussi. Fait que moi, j'adore ça. C'est vraiment comme ça, je le prends pour un petit peu comme, si je peux dire, parce que le complet avec le goût amer, oui. J'avais un petit peu de difficulté. Oui. En rajoutant le citron avec la 1/2 cuillère à thé de sel, parce que moi, j'aime le goût salé, puis ça m'aide aussi à pour la machine, pour les électrolytes. Alors, c'est comme ça que je le prends avec ma dose de collagène dedans. T'es une bonne élève, Annie. Mais je trouve ça particulier. C'est bon au goût? Oui, moi, j'aime beaucoup ça parce que, justement, ça goûte vraiment comme le jus de légumes, okay. Un petit peu salé. Et avec le petit goût de champignons aussi que j'ai rajouté, je dis « Ah, je vais l'essayer. Ben » Et là, oui. J'ai rajouté champignons plus adaptogène. Mais avec le citron, tout ça, ça me fait vraiment comme un cocktail de jus de légumes, tout simplement, avec le côté amer qui diminue. Parce que là, je le sentais dans le complet. J'ai dit « L'amertume, elle est bonne, puis il faut qu'elle soit là. » Parce que tout l'impact qu'on voit des nutriments, oui. on le goûte en bouche. Mais c'est ça, pour améliorer le goût. Puis moi, j'aime le goût salé. Alors, je dis, je vais ajouter un petit peu de sel iodé à l'intérieur. Et pour moi, c'est encore meilleur. Là. Ouais. Bon, OK. Ça, je dirais pas pour un débutant. Non. Parce que, tu sais, pour quelqu'un qui débute, tu sais, tout le monde, les accros de ça vont l'essayer. Tu sais, j'ai rencontré un beau couple
Je sais que leurs noms commencent par A, mais là, mes noms sont mélangés au festival. Et la fille, donc, elle faisait une soupe de concombre, puis elle rajoutait le complet dedans. Je disais, ah, intéressant. Le complet, c'est un cocktail, c'est mon jus vert. Donc, un cocktail de légumes avec des algues. Donc, oui, c'est amer, mais en même temps, c'est une source nutritive exceptionnelle. Moi, je mélange le complet, moi, au collagène agrume. Ça, c'est une chose. Ça fait ma fontaine de jouvence. Les champignons et adaptogènes ont un goût de chai parce qu'on a rajouté les épices dedans. Donc, pour leur bienfait aussi, le support, tu sais, ce qu'ils vont apporter à notre système, notre métabolisme, les épices ont aussi des effets sur la santé, le bien-être, même les effets anti-âge. Mais moi, je les mets dans mon shake de protéines. Ouais. Je trouve que ça va bien ensemble. Maintenant, vous avez chacun vos... Et j'aime ta potion à toi. J'aime le fait que tu ajoutes aussi... Bon, la créatine, on en a parlé il y a quelques jours. C'est super bien. Glutamine, ça, on en a parlé aussi il y a quelques semaines. Parce que mon chum me demandait ce matin s'il pouvait mettre créatine et glutamine. Oui, ça se combine bien et c'est sans saveur. Le collagène aujourd'hui, qui est en spécial grâce à toi, tout le monde est content. C'est cool. Donc, ça, le collagène sans saveur s'ajoute à tout. Ça peut même s'ajouter, si on veut, à votre café ou à votre... n'importe quelle boisson, ça ne goûte rien. C'est sans saveur. Et notre collagène marin, vous le savez, on perturbe même le marché là, parce que les gens vont essayer d'autres collagènes et reviennent vers nous parce qu'ils ont des effets avec le nombre. Et il y a un paquet de facteurs à ça. Et même au point où quand on s'en va puis on essaie une autre marque qui va être moins chère ou tout ça, on revient vers le nom parce que les douleurs réapparaissent, les cheveux se remettent à tomber. Tu sais, ce sont tous des témoignages que nous avons eus. Notre collagène, c'est un collagène marin fabriqué à partir des rebuts d'une pêche marine éco-responsable. Et il est hydrolysé. Ça, on en avait parlé avec Pierre Haddad, le chercheur scientifique. Parce que hydrolysé, ça veut dire qu'il est comme découpé en petits morceaux qui va pouvoir être utilisé. En fait, ces petits morceaux vont pouvoir être découpés encore une fois par nos enzymes. Et après ça, notre corps, notre métabolisme peut les reconstruire. Autant pour les articulations, tu vas nous en parler, que pour la peau, les cheveux, parce que c'est différents types de collagène. Mais quand le collagène est décortiqué, ben notre corps peut le réutiliser, l'envoyer là où on en a besoin. Donc, collagène marin, aujourd'hui, je vais juste vous donner le prix. Il est à 40,80 au lieu de 51 $. C'est vraiment notre numéro un depuis sa sortie. Et il se mélange à tout. T'sais, offrez-le, essayez-le, ça fait des miracles au niveau des douleurs, oui, au niveau de l'ostéoarthrite, et vous allez sûrement voir, parce que ça fait partie des témoignages que nous avons eus, des effets sur la peau, les cheveux, les bébés cheveux, t'sais, les bébés cheveux poussent, et souvent rapidement, au point où votre coiffeur, coiffeuse va vous le faire remarquer, les ongles. Et on combine à la styliste, et notre styliste aujourd'hui est à 40 $ au lieu de 50. Et là, toi, avec ces deux suppléments, super suppléments, tu as eu des changements. Oh oui, j'ai eu des gros changements. Parce que, bien, tout d'abord, moi, depuis environ 2 ans, j'ai changé mon alimentation aussi. J'ai baissé beaucoup au niveau de mes glucides parce que je pensais que je mangeais bien, mais j'ai baissé beaucoup, beaucoup au niveau de mes glucides. Tant aussi bien que je suis tombée de 400-500 glucides par jour à peut-être 70-100-125 maximum. Ça fait un gros impact au niveau de mes articulations parce que j'ai commencé à faire de l'arthrose, j'avais 35 ans. J'ai commencé, et là j'ai dit c'est pas normal, j'ai dit j'avais une dégénérescence comme ça d'année en année. Puis pourtant, j'ai dit je suis quelqu'un d'actif. Je fais des arts martiaux et tout ça, mais sans avoir des gros impacts et tout ça, je fais quand même très attention. Mais c'est ça, ça avait comme pas de bon sens. Et là, j'avais une dégénérescence comme ça. Je suis tombée de l'arthrose légère à modérée. Et là, je m'en allais vers le sévère. Et là, moi, quand j'ai commencé à justement
parce que je suivais justement des formations de Jean-Yves Dion, le pharmacien, et c'est comme ça que j'ai appris que, OK, en diminuant mes glucides, mais là, ça a vraiment beaucoup, beaucoup aidé au niveau de mes articulations, mais il me restait comme un 40% que j'avais toujours des craquements un petit peu quand même, des douleurs aussi. Et là, c'est quand j'ai entendu parler, parce que moi, j'avais essayé d'autres sortes de collagène avant, mais ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait vraiment pas aussi bien. Et là, quand j'ai commencé à... Là, ça a été une révélation. Quand je me suis aperçue que justement, Maison Jacinthe avait tous ses compléments naturels et le collagène hydrolysé avec collagène marin, avec l'acide hyaluronique, j'ai comme fait, oh, ça, c'est intéressant parce que sur le marché, on a du collagène, mais sans acide hyaluronique. Il n'y en a pas, ou des fois, il y en a très peu. Je dis, je vais essayer celui-là. Et ça n'a pas été long. Ça a été en dedans d'à peu près 2 semaines. Moi, j'ai vu un gros, gros changement. Et là, je l'ai combiné avec la silice. Et maintenant, je n'ai plus aucune, mais aucune douleur articulaire. Je n'ai plus aucun craquement au niveau de mes genoux, au niveau des poignets, au niveau du cou, du dos et tout ça. Ça a été comme, wow, une révélation. J'ai dit, je ne peux plus m'en passer. Ça, c'est à vie. Parce que là, j'ai dit, je suis à 100% et je suis certaine que j'ai dit, je suis redevenue avec des articulations comme quand j'avais 20 ans. Bon. Alors, c'est vraiment là, c'est hallucinant. Vraiment hallucinant. J'ai vu Dave ce week-end qu'on affectionne particulièrement, qui a fait un témoignage avec Caroline. Là, il repart en Saskatchewan, mais il a demandé justement à Pierre Haddad, qui était le professeur de Jean-Yves. Jean-Yves, justement, c'est lui qui est derrière notre collagène avec acide hyaluronique. Et la silice, je l'ai eue avant qu'il se joigne à nous en 2020, mais il avait tout revu à ce moment-là, voir nos formulations, si elles étaient OK. Et on avait pu avoir A++, on l'aurait eu. Notre gamme est exceptionnelle. La silice, 25 mg par capsule. C'est ça qui est exceptionnel. Ouais. Dave a demandé à Pierre, parce que lui, il a fait de la boxe très, très jeune, puis il met de la boxe à la dure, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gants. On mettait ses pieds dans des bottes de ski. Puis, tu sais, il devenait le punching bag un peu, un et l'autre, les enfants. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de fractures très jeunes et des douleurs épouvantables, au point où il ne pouvait plus rien faire. C'est notre collagène qui l'a sauvé. D'autres personnes aussi en parlent, tu sais, que le copain n'a plus de douleur à la hanche depuis qu'il prend collagène. Mais il faut comprendre qu'il y a tout un direct avec Pierre Haddad, pharmacologue et chercheur scientifique, sur le collagène avec les études à l'appui. Parce qu'on voulait comprendre pourquoi il y avait des effets à notre collagène aussi sur la fibromyalgie, tout ça, parce qu'il est homologué que pour les douleurs au niveau de l'arthrose et de l'ostéoarthrite. Mais après ça, nous, c'est notre champion pour prendre des témoignages de changements de vie extraordinaires, des personnes qui ne pouvaient plus monter les escaliers et qui ont monté des montagnes, tu sais, donc grâce au collagène. Et donc, Dave a demandé, parce qu'il y a plus, il y a moins de douleurs, beaucoup moins de douleurs, c'est bien qu'il peut cuisiner. On a fait un direct ensemble aussi. Et il est venu demander maintenant si, quand il nous reste un peu de cartilage au niveau des cartilages, au niveau des genoux, si, en prenant du collagène, on peut le rebâtir. Ça, c'est parce que, à un moment donné, si les os sont un sur l'autre, non. Mais s'il reste un peu de cartilage, oui, on peut le refabriquer. Et moi, donc les études ont été faites avec 10 mg de collagène par jour, les études pour l'arthrose et l'ostéoarthrite. J'ai vu, moi, que Dr. James D. Nicole Antonio propose 40 mg par jour. Donc, moi, c'est ce que je prends depuis un an. Parce que à partir de 50 ans, on en a beaucoup moins, on n'en fabrique plus. Et on en perd, ben, en tout cas, on en perd énormément. Et on peut le redonner à notre corps pour conserver les aspects de notre jeunesse au niveau tant articulaire que de la peau et tout. Donc, alors c'est assez fantastique ce que ce collagène peut faire. merveilleux. Alors, et la silice, donc ce que Jean-Yves aussi avait, parce que je lui avais demandé de m'en donner une trousse nutri-cosmétique, donc pour conserver une peau jeune.
longtemps. Donc, mais avec des suppléments à l'interne. Et la silice est apparue dans cette trousse. Et c'est lui qui avait écrit ça. Et ça aussi, c'est sur le site et tout référencé scientifiquement. Donc, elle aide les tissus à se tenir. Ensuite, c'est un super outil pour aider au niveau des ongles et pour la perte des cheveux. Moi, je combine avec le cocktail cheveux, c'est important, et le collagène. C'est tout ça, c'est une potion magique. Et pour le coffre à outils anti-âge, la silice agit pour que les protéines du corps se tiennent, comme on peut constater dans l'amélioration de la force des cheveux et de la réduction des ongles cassants. Et chez l'animal, la silice améliore la synthèse du collagène, sa densité, sa concentration. Donc, les deux, ce duo est vraiment bienvenu. Donc, voilà. Alors, et ça fait combien de temps, Annie, que tu nous connais? Oh, moi, ça fait pas si longtemps que je connais toute la variété que tu as avec les compléments, les suppléments alimentaires et tout ça. Ça fait environ 8 mois. Parce que j'avais déjà entendu parler de toi avant, mais plus côté maquillage, côté huile essentielle et tout ça. Mais c'est qu'à un moment donné, quand j'ai vu par hasard sur YouTube un direct que tu avais fait pendant le temps de la pandémie, tout ça en 2022, je crois, avec Jean-Yves Dionne, le pharmacien, là, j'ai comme fait « Ah, Jacinthe fait des directs avec Jean-Yves Dionne ». Et là, j'ai commencé à les rechercher parce que vu que j'avais pris quand même plusieurs formations de Jean-Yves et tout ça, et que j'ai toujours trouvé vraiment pertinent, puis... C'est vraiment, en tout cas, ils nous donnent leur juste, comme on dit. Et là, c'est ça, là, j'ai été voir sur ton site et là, j'ai retrouvé tous ces directs-là qui sont une gamme d'informations. C'est extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Et c'est comme ça que ça me fait connaître tous les produits que tu avais, les produits qui avaient été élaborés aussi avec Jean-Yves. Je fais, oh, attends une minute. Là, j'ai dit, en plus que s'il y a des produits qui ont été élaborés, que Jacinthe a demandé collaboration, c'est ça, des formules et tout ça que Jean-Yves a collaboré, j'ai dit, ça vaut vraiment la peine que j'aille voir. Et là, c'est quand j'ai vu vraiment les composantes et vraiment les synergies que tu as dans tes produits, parce que j'en prends plusieurs maintenant, pas juste le collagène, mais le collagène, c'est comme ça a été le premier que j'ai pris et que j'ai rajouté avec la silice parce qu'on n'en voit pas la silice sur le marché. Moi, j'ai pris, oui, des cours plusieurs cours en herboristerie, en aromathérapie, en naturopathie, tout ça. Mais je veux dire, quand tu passes à côté de la cueillette pour trouver telle et telle plante qui a de la silice, mais tu passes à côté, tu fais comme où tu as passé de réserve. Et là, j'ai dit, je la prends où, ma silice? Parce que c'est ça que je voulais avec le temps et tout ça, mais c'est ça, de t'avoir connu avec les directs de Jean-Yves et qui sont encore sur le site. Moi, des fois, je vais les revoir parce que je dis, OK, il y a telle et telle chose, tel complément que j'ai dit peut-être que je voudrais ajouter ou mettre en synergie. Et là, c'est sûr que je vais chercher Maison Jacinthe parce que je vois que vraiment la qualité est là. C'est incomparable à date de ce que j'ai vu. Incomparable sur le marché. C'est vraiment... Ouais. Quand il a dû quitter, il nous a laissé dans les mains de son professeur pharmacologue. Et c'est son ordre hein, qui l'a empêché de faire des directs avec nous. Ah ouais. Oui, c'est comme ça. Et je leur ai demandé pourquoi et où était la loi qui disait ça là, dans le code de loi, mais ils ne m'ont pas répondu. Les gens veulent savoir combien de collagène tu prends, toi, Annie? Ben moi, je vais prendre... Ça dépend, mais habituellement, c'est j'y allais toujours avec la dose qui était recommandée. Alors, 4 cuillères à thé par jour. Mais c'est ça, là, je l'ai augmenté à 5 cuillères à thé par jour avec ma dose de complet et tout le reste avec ça. Mais c'est vraiment minimum, là, j'y vais avec quand j'ai commencé, c'était vraiment avec 4 cuillères à thé par jour. Là, j'ai augmenté à une de plus. Mais moi, j'ai vu aussi, c'est drôle, hein, parce que c'est par ricochet, si on peut dire. Ça a commencé vraiment avec mes articulations, tout le soulagement, mais vraiment, là, plus de douleur, là, du tout, du tout. Et après ça, bien, ça a été au niveau de ma peau. C'est vraiment comme moi, ma peau, c'est vraiment, je m'en étais aperçue au bout d'à peu près un mois au niveau de mon visage, qu'en fait, il me semble qu'il y a quelque chose de différent. Parce que moi, j'avais comme
mes grosses joues ici, un petit peu pendant et tout ça, avec l'âge et tout, mes paupières qui commençaient à descendre un peu plus. Mais là, avec le collagène, ça comme... J'ai comme eu un effet de lift naturel. Oui. Ici, ça l'a comme remonté. Tout ça, je le sentais. Je suis comme fait, ben voyons. L'acide hyaluronique à l'interne aussi oui. peut oui. avoir le même effet que les injections. Ça nourrit. Ce, oui. ben, en fait, ce n'est pas comme les injections, mais ça peut avoir des effets qui ressemblent à ça. Mais oui, il faut en reprendre. Est-ce que je peux te demander ton âge, Annie? Oui, moi, j'ai 50 ans. Wow! Bravo. Ouais. Et ouais. C'est ce qui m'a donné, moi, envie d'en prendre un peu plus aussi. Bon, parce que moi, comme je suis végé, je manquais évidemment de collagène. Il n'existe pas de collagène dans le règne végétal. J'ai rencontré là une gang extraordinaire qui font du collagène à partir de la fermentation. Mais ça rejoint les acides aminés du collagène, mais ce n'est pas la même chose. Donc, oui, je vais vous le proposer et on pourra avoir des effets sur la peau avec ce collagène, mais ça ne sera pas jamais homologué pour les douleurs. Donc, il va falloir que je garde les deux parce que j'avais envie, tu sais, d'être complètement végé, mais il y a des c'est pas possible. Tu sais, quand la vitamine D, ça provient de la laine des moutons, tu sais, il y a certains... donc, en fait, du gras, pas de la laine, mais du gras. Donc, il y a certains suppléments qui sont essentiels, comme le collagène l'est pour la majorité d'entre nous, et qu'on peut pas retrouver dans le règne végétal. Donc, moi, j'en manquais et ma peau tombait aussi. Ouais. J'ai commencé à le prendre, j'ai fait « Oups, il y a quelque chose que j'aime dans tout ça, là, tu sais. » Donc, et Lise, elle a évité une chirurgie au poignet. Elle avait eu une fracture. Moi, j'ai eu une... Mon pied s'est brisé aussi l'été dernier. J'ai eu une fracture aussi, puis j'ai eu une récupération là, en quelques semaines assez fascinante. Là, t'sais. Donc, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. C'est mon expérience personnelle. Sylvain vous a parlé de son épaule. Lui aussi était en liste pour une opération à l'épaule, puis il n'a pas eu besoin de son opération. Il est revenu à 80% de la douleur. Et son médecin a dit, écoute, c'est ce qu'on tente d'avoir avec une opération. Et avec une opération, parce que lui, il fait des arts martiaux aussi, puis avec une opération, il faut que tu sois à peu près, après ça, 9 mois en pause sans s'entraîner. Puis il dit, là, si tu es revenu correct à 80%, il dit, on ne fera pas d'opération. Donc, oui, le collagène a redonné une élasticité, une belle apparence à mes mains. Ben, les cheveux, les ongles, quand ils sont dénutris, quand il nous manque quelque chose. Et Sophie a dit, what, 50, you go girl? Quand il nous manque des protéines, du collagène, de la silice, on va le voir du zinc, on va le voir à nos ongles, on va le voir à la qualité de nos cheveux. Donc, oui, c'est bien de le faire pour notre peau, pour nos cheveux, pour les ongles, mais ça veut dire aussi qu'il nous manque quelque chose dans notre trousse de nutriments au niveau du métabolique. Parce que ça, c'est un autre scientifique, Bruce, de mémoire, mais c'est sur le site, qui mentionne que le corps va aller chercher ce dont il a besoin pour sa survie. Puis après ça, il va aller s'occuper de l'apparence, c'est des cheveux. Donc, des cheveux en santé, des ongles en santé, ça signifie aussi, ou ça peut signifier aussi pour nous tous, ce dont on a besoin à l'interne. Je vais maintenant voir le chiro 6 semaines au lieu de 2 semaines. Douleur réduite à mon omoplate. Oui, c'est assez exceptionnel. C'est le collagène marin qui donne ces résultats-là. De toute façon, vous êtes nombreux et je vous invite à essayer d'autres marques parce que vous revenez en courant vers le nôtre. Oui. C'est nous, ça nous fait plaisir, les sceptiques et ceux qui essayent d'autres trucs parce que vous constatez par vous-même là, qu'on a, tu sais, Annie t'a parlé de Joëve qui a été notre formulateur pour la majorité, la très grande majorité. Après ça, son professeur qui est pharmacologue et chercheur depuis 35 ans, tu sais, qui fait des formules aussi complètes et aussi soutenues que les siennes. On ne leur donne pas de limites. C'est ça notre différence. On fait pas un produit pour le mettre sur le marché. On fait un produit pour avoir une différence pour nous, pour notre qualité de vie. Et on leur dit, tu sais, Jean-Yves, je lui ai dit à un moment donné, va chercher ce que tu as besoin quand tu fais tes consultations pour remettre les personnes sur pied.
C'est là qu'ils nous ont vu la totale, puis les oméga avec l'astaxanthine très concentrée. Juste avec ça, on a comme une... C'est fou, c'est ce qu'on peut arriver à faire en une journée. Donc, on leur donne pas de limite, on s'arrange après avec les prix et aller chercher tout ça. Mais c'est ça la différence et notre différence. Donc, et oui. Oui, mais moi, j'ai même vu une différence. Mais c'est sûr que j'ai quand même beaucoup de cheveux, mais j'ai vu une différence aussi au niveau de mes cheveux. J'ai dit, j'en perdais moins et j'en avais plus qui poussaient. Mais même moi, au niveau des cils, j'ai jamais eu vraiment de cils. Ça a toujours été très, très court, un peu clairsemé. Mais là, maintenant, mes cils ont comme doublé, même presque triplé, vraiment au niveau, ils sont plus fournis, sont plus longs. J'ai comme fait, ah, mais oui, j'ai des cils maintenant, mais qui ont de l'allure, là, vraiment, qui sont plus longs. Et il y a une chose aussi que je voulais dire, parce que j'ai dit, c'est peut-être une combinaison de tout ça aussi, avec le collagène, avec la silice et avec la vitamine D3 que je prends aussi en dose thérapeutique. Mais moi, j'ai vu une grosse diminution aussi au niveau de mes fuites urinaires. Parce que j'avais des fuites urinaires, mais vraiment beaucoup. Et ça a diminué, je dirais, d'à peu près de 90 % et presque plus. Alors, moi, c'est pour ça que je continue vraiment, là, à vie, ton collagène, la silice, la vitamine 3. Mais c'est sûr que je prends d'autres choses aussi, oméga 3, magnésium et tout ça, avec les recommandations aussi de Jean-Yves dans les dosages thérapeutiques. Mais ces trois-là, collagène, vitamine D3 et avec la silice, moi, au niveau de mes fuites urinaires, à un moment donné, je m'en apercevais que je courais un petit peu ou tu achoumes ou tu ris très fort, tu as toujours comme certaines fuites urinaires. Là, j'ai dit, bien, s'il y a des femmes qui veulent l'essayer, moi, en tout cas, ça a changé vraiment beaucoup. Wow. À 90 % que ça a diminué. Vraiment. C'était le premier témoignage comme ça et je suis contente parce qu'on a un recueil de tout ce qu'on a réussi à renverser comme situation, comme symptôme, tout ça, puis c'est la première fois qu'on en parle. Mmh. Et je suis contente, et bravo, et merci. J'ai longtemps fait du folklore, la danse folklorique, j'adore le folklore. Encore aujourd'hui, je suis émue, tout ça. Puis une fois par année, on se réunit, encore aujourd'hui, puis une danse sautée, puis je peux tout le faire. on saute tout le long, et je peux tout faire ça. Bon, et Sophie, c'est drôle, Annie, que tu en parles, parce que je trouve que moi aussi, j'en ai moins. Là, il y a quelqu'un qui dit, et je comprends, Nicole veut savoir, qu'est-ce que tu prends, énumère-nous les quantités. Moi, je l'ai fait, hein. Je vais le mettre, d'ailleurs, ce matin, j'ai oublié d'aller vérifier, mais je vais vous mettre exactement ce que je prends. Puis, je suis curieuse de voir toi, parce que j'ai l'impression que ça doit se ressembler, parce qu'on a eu le même type de consultation. Donc, qu'est-ce que tu prends, tu sais, à chaque jour? Les quantités aussi. Oui, les quantités aussi. OK. J'en prends quand même beaucoup, mais je continue parce que ça m'aide énormément. Énormément. Je pourrais plus m'en passer. Puis quand je m'en passe pendant quelques jours, une semaine, je vois la différence. On devient mou, enfoncé. Puis on a, comme ici, tout ici, ça devient de la brume. Oui. Oh oui, il y a vraiment une grosse différence. Mais tu vois, moi, le matin, quand je me lève, je prends toujours un grand verre d'eau et je mets toujours les deux pipettes d'électrolytes maintenant dans mon verre d'eau. Je prends ma petite cuillère à thé de jus tonique, je le mets à l'intérieur, avec une cuillère à thé aussi de jus de citron bio. Ah. Et avec ça, ce petit mélange-là, là, je vais prendre toutes mes vitamines, mes suppléments du matin, parce que je divise en trois phases environ dans la journée. Puis, je vais toujours commencer aussi avec les probiotiques. Les probiotiques que tu as. Ça m'a aidé beaucoup. En tout cas, je vois que j'en fais beaucoup, beaucoup moins, même que j'en fais plus. Des infections urinaires. Alors, ça l'a vraiment là disparu, si je peux dire. Mais c'est ça. Alors, je commence toujours avec les probiotiques. Ensuite, je vais prendre ma vitamine D3 en dose thérapeutique. Et là, comme Jean-Yves l'avait recommandé, 50 unités par kilo de poids par jour. Alors, je prends ça. Je combine avec la vitamine K2. Ensuite, je vais prendre mes oméga 3.
avec le bon usage aussi en dose thérapeutique. Combien? Je pense que Jean-Yves recommandait, lui, c'était 40 unités par kilo de poids par jour. Mais si pour l'ADH et l'AEP aussi. Alors, c'est ces deux concentrations-là qu'il faut vraiment regarder pour avoir notre 40 unités par kilo par jour. C'est sûr que quand c'est combiné avec une synergie comme le tien, comme celui avec la astaxanthine, que j'ai la misère à prononcer, mais quand c'est combiné avec autre, il peut avoir une concentration plus forte. On a peut-être besoin d'en prendre moins à ce moment-là. Mais c'est ça. Moi, j'y vais toujours avec les oméga-3. Ensuite, toujours avec le magnésium, je le divise en deux, le matin et le soir. Moi, je suis environ à 400 mg par jour. Ça m'a aidé énormément pour mes crampes au niveau des jambes. J'avais des crampes la nuit, là. Ça me réveillait. C'était tellement douloureux. Puis avec ça, plus rien du tout. Puis même pour toutes mes symptômes de ménopause, parce que moi, j'avais des bouffées de chaleur à chaque heure. J'étais rendue, j'en avais à chaque heure. J'ai dit, my God, je savais pas. J'ai dit, comment je vais passer au travail? Mais avec les produits naturels, les suppléments, j'en ai plus du tout. J'en ai plus du tout. Et ensuite, je prends de la vitamine C, qui peut aider aussi à l'assimilation, mais avoir une meilleure fabrication au niveau du collagène aussi. La silice et je prends aussi le complexe B actif, la version active. Ça, là, ça a été révélateur. Ça, là, je ne peux plus m'en passer non plus. Ça, au bout d'à peu près là, 45 minutes, une heure, je sens là, l'effet. Là, ça, je le sens tout de suite. C'est vraiment, je deviens comme plus énergique, plus enthousiaste, vraiment une bonne humeur. Ça donne vraiment de l'énergie. C'est assez fou. J'en avais essayé d'autres complexes B avant. Mais le tien, incomparable. Alors, j'ai dit, je continue, on le sent l'effet du complexe B, vraiment celui que tu as, que je pense que j'en ai, c'est ça, il est un petit peu derrière, je pense qu'il est derrière ça aussi. Mais version active, là, c'est tout un changement et tout ça. Puis, c'est ça. Après ça, ben moi, c'est ça. Si je déjeune à ce moment-là, parce que j'ai jamais très faim le matin, si je déjeune, je vais y aller avec tes protéines, soit petits fruits, chocolat ou vanille. Et sinon, ça va être mon café gras que je vais prendre avec l'huile MCT. Bravo! Pour vraiment aider à toutes les vitamines qui sont liposolubles, justement, à être mieux assimilées avec l'huile MCT, avec le café gras. Wow. Puis ensuite, mais là, au dîner, c'est là que je vais prendre la boisson avec le collagène, le complet, la créatine, champignon plus adaptogène avec jus de citron puis une demi-cuillère à thé de sel dans mon petit verre Pépito que j'adore. Alors, je prends tout ça à l'intérieur. Et là, ensuite, je vais continuer avec le zinc, avec la vitamine C. Je prends mon autre capsule aussi de silice parce que moi, j'en prends deux par jour. Puis, au souper, mais là, ça va être mon autre capsule de magnésium. Puis, si des fois, je prends un repas qui est un petit peu plus glucidique et tout ça, bien là, je vais me prendre une ou deux capsules d'extrait de thé vert aussi. Ah! Avec toi. Bravo! T'es vraiment bonne, Annie. Et voilà! C'est vraiment intelligent. Bravo! Et c'est pas tant que ça. J'en prends plus que toi. Tu sais, puis je veux dire... Depuis même que je prends soutien santé, je me sens comme, déjà, je me sentais comme toi, t'es probablement 95% de ton plein potentiel. Puis, tu sais, à un moment donné, tu penses qu'on est bien. Puis, il y a toujours moyen d'aller un peu plus loin. C'est ça qui est fantastique. Mais là, j'ai acheté soutien santé, justement. J'ai dit, quand je l'ai vu passer, parce que je l'avais vu à la foire et tout ça, là, j'ai dit, j'étais pas sûre. Puis là, j'ai dit, je vais aller revoir les ingrédients. Puis là, j'ai écouté la conférence de Caradan. Oui. J'ai dit, je vais acheter soutien santé. Je vais l'essayer. Oh oui. Et ouais. Caroline en a parlé aussi parce qu'il y a vraiment des... J'aimerais ça que tu me parles de la conférence que tu as entendue. Oui, soutien santé. C'est complètement différent des champignons et adaptogènes. Soutien santé, c'est pour la santé, c'est les axes du vieillissement, les cinq axes du vieillissement. Le champignon et adaptogène, c'est pour faire face au stress.
C'est pour nous, tu sais, c'est vraiment. Et les champignons qui sont dedans vont favoriser aussi la santé cognitive. C'est sûr qu'il y a des éléments pour la santé cognitive dans le soutien santé, mais ce n'est pas la même chose du tout, du tout. Et le complexe B, notre complexe B est en version active. Donc, pas besoin de le chercher. C'est notre complexe B est en version active. Et il y a les chums qui étaient marabouts le matin, des blondes, là, qui consomment Maison Jacinthe et qui ont commencé notre complexe B, sont maintenant de bonne humeur le matin. Mais c'est pour l'énergie, c'est fabuleux. Ça peut faire aussi une différence au niveau du moral, de l'humeur. C'est spectaculaire, le complexe B en version active. Donc, et oui, on va vous renoter tout ça aussi. Tu veux nous envoyer ta recette, Annie? Je pense qu'il y en a qui sont intéressés. Et il y a un pharmacien qui a dit à quelqu'un qui est venu me voir au festival en disant, tu sais, gardez le collagène que vous avez de Maison Jacinthe, parce qu'il dit les collagènes, même, elle était dans une pharmacie, on ne vend pas dans les pharmacies, puis il dit les collagènes ne s'équivalent pas. Il y en a beaucoup que c'est beaucoup d'ingrédients qui ne servent à rien, et ça lui a été dit par son pharmacien. Et là, moi, j'ai compris pourquoi les pharmaciens, en général, vont penser que le collagène ne fait rien. Alors que ça ne peut pas être plus fabuleux, même fulgurant comme effet qu'on constate avec notre collagène. Et il y a des pharmaciens qui viennent chercher notre collagène. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Caroline demande pourquoi le thé vert à la fin du repas. Et ça ne t'empêche pas. Moi, je le prends au début, c'est drôle. Je le prends au début de ma journée, le thé vert. Je le prends comme source d'antioxydant. Mais je trouve que des fois, ça peut me stimuler un peu. Toi, ça n'a pas d'effet sur ton sommeil. Non, ça n'a pas d'effet. Je dirais que je le prends seulement quand vraiment, exemple, j'ai un repas, un dîner, un souper, tout ça, qui est un petit peu plus glucidique et tout ça. Et pour ça, je le prends seulement à ce moment-là parce que je sens qu'il y a quelque chose qui agit là. C'est vraiment là, ça va me donner des fois comme oups, une petite bouffée de chaleur, tout ça. J'ai dit, mais c'est seulement quand je prends le thé vert comme ça en extrait. En extrait concentré. Mais c'est pour ça que j'ai dit, on dirait que quand je le prends, quand j'ai un repas qui est plus glucidique, on dirait que je digère un peu mieux. On dirait que ça l'aide au niveau de la digestion et tout ça. Puis c'est sûr que tout se passe bien par la suite. Mais c'est ça. Une ou deux capsules, je suis correct comme ça. Mais je ne le prends pas sur une dose quotidienne non plus. Mais vraiment, quand j'ai un repas là, un peu plus glucide, je trouve que ça m'aide, c'est ça, à mieux assimiler, à mieux digérer, je trouve. Il y a là les explications de comment fonctionne le thé vert concentré, comme celui qu'on vous propose, et c'est un thé du Japon, le Camellia sinensis, qu'il y a d'ailleurs dans la gamme coréenne, on a oublié d'en parler hier, mais le métabolisme à l'intérieur même des cellules, c'est expliqué sur le site parce que notre thé vert est homologué pour la perte de poids. Tu sais, souvent pour reproduire ce qui fait sensation là, tu sais, dans la masse là aujourd'hui, les fibres et le thé vert et l'huile TCM vont faire une différence au niveau de la satiété et au niveau du métabolisme, au niveau de tu sais, même je rajouterais gluconique là pour toutes les personnes qui sont prédiabétiques ou qui se tournent vers des médicaments parce que les fibres ralentissent le sucre dans le sang. Gluconique aussi, donc on le prend 30 minutes avant les repas, fabuleux. C'est merveilleux ce que ça fait. L'huile TCM nous aide à fabriquer de l'énergie et va nous aider à créer de la satiété aussi. Et l'extrait des verres favorise la perte de poids. Quand on est dans un élan, là, il faut le spécifier parce que ça fait partie de la postologie de Santé Canada. Donc, c'est pas que, on prend pas que ça, mais il faut, tu sais, si on s'aide d'un nouveau geste, par exemple, qu'on fait attention aux glucides ou qu'on se met à marcher, le thé vert va favoriser la perte de poids. De là, il y a quelqu'un qui a levé sa main et qui a dit qu'après 4 jours de mousse nettoyante, et son fils, c'est tout parti, donc il aime sa mousse. Donc, est-ce que c'était des boutons, Nadine, qu'il y avait? Je sais pas, Rita. C'est peut-être autre chose qui fait ça parce que le collagène marin n'a pas, tu sais, il est tout décortiqué. Donc, c'est vraiment les
des particules pour que notre corps puisse le reconstruire. Donc, on n'a jamais eu d'effets secondaires. En même temps, tous les produits de santé naturelle sont pharmacologiquement actifs et peuvent en avoir, mais je n'ai jamais eu, donc je ne sais pas. Et voilà. Je me demandais si on peut prendre le complexe B et soutien santé. Alors, pendant l'allaitement, il faut demander à votre spécialiste de la santé. Thé vert en capsule, oui, c'est ce que tu parles, le thé vert, donc notre extrait de thé vert en capsule. Oui, extrait de thé vert en capsule, oui. La mousse, c'est pas davantage pour les peaux grasses, non. Et j'ai le Phoenix et elle est parfaite pour moi. OK, parfait. je suis contente. Là, je lisais si on fait autre chose. Bon, j'ai pas l'impression parce que Lise demande si tu t'attends. Et on n'a pas besoin d'attendre entre la fontaine de jouvence et les médicaments. C'est entre les fibres et les médicaments qu'on doit attendre. Mais j'ai pas l'impression que tu prends des médicaments. Non, je prends aucun médicament. Non, 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 non. Et donc, non, j'en ai pas besoin. Non. Parce que vraiment, c'est sûr que j'ai eu à passer des périodes très, très difficiles ces derniers mois. Et avec le complexe B, justement, quand je voyais que mon énergie revenait, que j'avais cette bonne humeur-là, mais vraiment comme un enthousiasme de dire, OK, là, j'ai goût de faire tel et tel. Mais c'est vraiment comme on le sent, l'effet, là. Ça m'aidait, là, justement, à passer à travers ces périodes difficiles-là, ça me redonnait une belle énergie, là. C'était vraiment spécial, ouais. Tu sais, Jean-Yves a récemment vu quelqu'un que je connais, puis évidemment, il a recommandé nos produits, parce qu'il les a fait lui-même. Oui. Mais c'était 2 complexes B, c'était 3 magnésium, c'était 5 total. Des fois, justement, des posologies thérapeutiques, vraiment pour quand on est down. Mais ça va avec la posologie qui est indiquée par Santé Canada, la totale, la multivitamine totale qu'il a préparée. On parle de 3 à 5 par jour. 3, ça va être un soutien. Tandis que 5, c'est quand on est down, on est fatigué, ça nous remonte le jour même. Tu sais, c'est pas des farces, là. Tu sais, c'est toute une trousse. Donc, ça, c'est le total. Et là, Nancy veut savoir ce que j'ai dit pour la perte de poids, donc en fait, l'extrait de thé vert, donc ce sont des capsules extraites de thé vert, est homologué pour la perte de poids, lorsque accompagné d'un style de vie approprié. Donc, c'est important que je vous dise ça. L'huile TCM, donc elle va créer un effet de satiété. Donc, c'est important aussi quand on veut se sentir... C'est comblé, rassasié. L'huile TCM fait ça. Donc, c'est ce que tu prends dans ton café. Ça fait bien un café gras. Café gras le matin, oui. Puis vraiment, c'est vraiment, ça fait une différence parce que j'ai dit ça l'aide au niveau de l'assimilation aussi des vitamines qui sont liposolubles, comme la vitamine D3 que je prends, qui doit être assimilée mieux assimilée avec le gras, mais avec l'huile TCM. Moi, dans mon café, si je prends ça comme un déjeuner le matin, si je peux dire, parce que je fais le jeûne intermittent, mais j'ai pas faim avant 3-4 heures plus tard pour mon dîner à ce moment-là. Ça vient vraiment là me rassasier, là, mais avec une belle énergie. Ouais. Bon, l'huile TCM est homologuée pour nous aider à produire de l'énergie et en même temps à créer un effet de satiété. Non, et c'est peu dispendieux. L'extrait de thé vert aussi. Donc, extrait de thé vert, huile TCM. Moi, je le mets dans mon shake. Et l'huile TCM, on peut le mettre dans sa fontaine de jouvence aussi. Une cuillère à thé le matin, une cuillère à thé le midi. Pas besoin d'en prendre plus que ça, là. Surtout au début. Et Nancy, je pense, ne passez pas à côté des fibres. Les fibres, le matin, vont aussi créer un effet de satiété. Et lorsqu'on a à voir, parce qu'on commence à avoir un débalancement au niveau de notre sucre, au niveau de l'insuline, qu'on est en pré-diabète, Gluconeeg, 30 minutes avant le repas du midi et du soir. Donc, on prend les fibres le matin, ça ralentit le sucre dans le sang. Gluconeeg va faire la même chose, mais grâce à un mélange d'algues. 30 minutes avant le repas du midi et du soir. Et qu'est-ce que tu as retenu de la conférence avec Pierre Haddad, justement, qui est pharmacologue et qui a formulé Gluconeeg et soutien santé? Juste avant aussi, je vais juste ajouter un petit quelque chose pour l'huile TCM parce que je l'ai oublié.
Puis j'ai dit, ça fait quand même un super de beau changement dans ma vie aussi, parce qu'en rajoutant des bons gras dans l'huile TCM, moi qui avais une tendance à la constipation depuis des années, je n'ai plus aucune constipation. Yes. Alors, c'est comme merveilleux. Vraiment, là, au quotidien, là, en rajoutant l'huile TCM, moi, j'en mets peut-être 1 à 2 cuillères à thé maximum le matin par jour. Et ça, j'ai vu des beaux, beaux changements. Alors, je voulais juste ajouter ça au niveau, je n'ai plus aucune constipation. Là. Donc, et non, c'est juste le collagène sans saveur. Le collagène avec saveur, il est déjà passé la semaine dernière. Donc, ça ne reviendra pas en spécial. L'huile TCM, ça a réglé des problèmes de constipation chez les... Il y en a plusieurs qui nous ont dit ça. Et c'est pour ça que, oui, peut-être qu'après quelques semaines, on peut passer à 2 cuillères, mais pas au début. Pas au début, non. Pas plus que ça, parce que vraiment, vous allez passer un mauvais 15 minutes. Rien de grave, mais on devient là comme... On se demande où est-ce qu'on est. C'est à ce point actif. Donc, les huiles, les bons gras, il faut aussi en mettre dans notre alimentation. Donc, rajouter de l'huile d'olive le midi, 2 cuillères à thé, 2 cuillères à thé le soir. Là, je vous donne une recette gagnante là, pour, tu sais, oui, perdre du poids grâce à l'extrait de thé vert, mais avoir un effet de satiété, une bonne digestion avec les fibres, gluconique, moins d'impact, et les fibres et gluconiques, moins d'impact du sucre dans le sang. Donc, ça ralentit le sucre dans le sang. Et les fibres peuvent avoir aussi un impact sur le cholestérol, comme les bons gras peuvent aussi générer un bel effet sur les mauvais gras. Donc, si vous avez, tu sais, tout ça, cette recette-là, là, et c'est peu dispendieux encore une fois. Fibres essentielles, extrait de thé vert, huile TCM et gluconigue. Bang! Tu sais, donc voilà. Et oui, Nancy, si on prend des fibres et qu'on commence avec les fibres, d'un, il faut toujours prendre un verre d'eau après nos fibres pour créer le mucilage. Et ça, il faut prendre nos fibres à nous. On n'a pas, encore une fois, un paquet de cochonneries comme celles qu'on retrouve, tu sais, avec des colorants et tout ça, pour déclencher des allergies chez les gens. De la même façon que notre magnésium est fantastique sur la détente, le magnésium trouvé ailleurs sur d'autres tablettes peut déclencher des maux de ventre et tout ça. Donc, nous, tout est efficace. Donc, il faut prendre nos fibres. Quand on commence les fibres, un petit peu, une cuillère à thé, on prend un verre d'eau après, et au besoin, on prend l'ami le soir. Les fibres sont là pour faire le ménage. C'est le principe des fibres. Et lorsqu'on a un transit ou un mouvement ralenti, ça se peut que ça soit difficile. Donc, pour favoriser l'activité du muscle intestinal, on prend l'ami le soir. 1 capsule ou 2 jours au besoin. Donc, voilà ce que ça, c'est la... Et oui, les fibres d'acacia, c'est une belle découverte pour les personnes qui ont un intestin pompeux ou des difficultés digestives. Donc, on est allé justement avec la recommandation de Jean-Yves d'avoir comme alternative les fibres d'acacia. Parfait. Et maintenant, ça vaut la peine de commencer. Moi, j'en prends beaucoup de fibres, là. Donc, commence petit peu. Par petit peu, et prenez une capsule de l'ami le soir. Tu sais, si on prend des fibres et qu'il y a beaucoup de déchets dans notre système digestif, il faut après ça activer le muscle intestinal. Ça se peut qu'il soit au ralenti, tu sais, ça se peut qu'il soit même immobilisé, je ne sais pas comment le dire, là, mais oui, l'ami, c'est pour activateur du muscle intestinal. Et qu'est-ce que tu as retenu de la conférence? Oui. Oui, mais je l'ai écouté, 2 fois plutôt qu'une, parce que j'ai été pour les 2 jours à la foire. J'ai été le samedi, puis là, je dis, oh, j'ai le goût de revenir le lendemain. Alors, je suis revenue le lendemain et j'ai écouté, la conférence de Pierre Haddad et tout ça. C'était vraiment intéressant parce que là, il expliquait, Metabzen, les autres produits qu'il a fait et tout ça, soutien santé. Alors, vraiment, j'ai dit, OK, en comprenant mieux les composantes, en comprenant vraiment selon les usages et tout ça pour les types de personnes à laquelle ça pourrait aider tout ça, ben j'ai dit, pour moi,
Je dis peut-être, le Métabzen, je vérifiais tout ça, mais j'avais des noms en tête de certaines personnes que j'ai dit, oh, ça pourrait vraiment leur faire du bien, des gens qui ont des fois une résistance à l'insuline ou vraiment qui sont en train de faire un changement alimentaire ou peut-être même qui sont prédiabétiques et tout ça. Alors, j'avais vraiment des noms en tête de personnes que je pourrais peut-être leur conseiller ces bons produits-là, mais vraiment avec les synergies qu'il y a à l'intérieur, puis les composantes et tout ça, c'est vraiment, c'est très, 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 très bien, là, très bon. Ouais. Puis vraiment gentil, ce monsieur-là, vraiment. Moi, j'avais ton livre « Longévité » tout ça. Puis c'est ça, j'ai demandé tout ça pour dédicacer tout ça parce qu'il avait fait la préface. Et puis, il m'a écrit un beau mot, tout ça, dédicacé, mais très, très, très gentil. Mais c'était vraiment intéressant, sa conférence. Ça, vraiment, là, ça m'a éveillée sur ces bons produits-là que j'avais vus en tablette, mais que j'avais pas réalisé tout l'impact qu'ils pouvaient avoir là, sur la santé, sur le métabolisme. Vraiment. Tu sais, il faut, en tout cas, nous, on défriche, tu sais, c'est nouveau. Il y a rien qui existe d'équivalent. Tu sais, il y a rien comme gluconique, il y a rien comme Métabzen. On sait que le Métabzen a renversé le foie gras de ou la cétose hépatique sévère de Lise. J'ai aussi eu un témoignage ce week-end sur Métabzen, quelqu'un qui avait tellement d'acidité que ses draps étaient jaunes versus ceux de sa blonde, et au point où tout était inflammé, puis il devait, tu sais, quand il mangeait des légumes, il passait pas parce que c'était trop inflammé, il devait vomir. Ces légumes, jeune homme, Métabzen a tout réglé. Wow. Le médecin lui avait dit qu'il n'y avait rien à faire. Métabzen, c'est pour le soutien du métabolisme, du foie. Là, Pierre essaie de comprendre comment ça peut, mais en même temps, en soutenant et en donnant des foies, en termes de nutriments, ce qui manque à notre métabolisme, oui, ça va faire des miracles, tu sais. Mireille, elle a perdu 20 livres, puis c'était pas le but, avec le chèque de protéines, Métabzen et la fontaine de jouvence. C'est déjà, ça aussi, c'est assez fantastique. Et Lise, et merci Lise d'être là, puis de dire, oui, Radan m'a sauvé le foie. Mm. Parce qu'on peut pas avoir une transplantation de foie, parce que c'est ça que la médecine va offrir, tu sais. Il y a plus haut pour le foie, là. Donc, merci, merci, merci. Mais même quand il a parlé de, moi je ne connaissais pas l'huile de nigel, ouais. Les graines de nigel aussi, j'ai en fait, oh, c'est intéressant. Alors j'ai acheté l'huile de nigel avec les graines de nigel et là c'est ça, en étant à la foire et tout ça, là j'ai dit, ok, de quelle façon je peux utiliser ces deux suppléments-là, si je peux dire, mais l'huile de nigel et les graines de nigel, puis il était là pour répondre à nos questions aussi, c'était vraiment intéressant, mais je dis, oh, c'est vraiment efficace, cette huile-là, c'est fort, là. Okay. Alors, et que dans ces produits-là, je pense qu'il l'a aussi dans soutien santé, si je me souviens bien. Oui. Puis en tout cas, dans Métabzen, mais je dis, en tout cas, je dis, moi, si à un moment donné, au niveau de mon foie et tout ça, je veux vraiment comme supporter mon foie, c'est sûr que je m'en vais en direction de Métabzen, là, c'est sûr et certain. La nigelle, il y a même partout, c'est pas compliqué. Mm. Et malheureusement, nous, on a découvert hier et avant-hier que c'est parce que la nigelle est spectaculaire, même au niveau des allergies, là. J'ai quelqu'un qui est une infirmière qui avait des sinusites, ou en tout cas des allergies depuis 20 ans. Mais ça s'oxyde très vite et je pense qu'on ne pourra plus vous la proposer. En tout cas, on cherche des solutions avec nos scientifiques, là. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Fait que c'est un problème qu'on vient de rencontrer avec la fameuse nigel. Donc, c'est les graines de nigel, on peut les ajouter à la salade. Lui, je pense que l'huile de nigel, il la met dans son jus d'orange le matin. Mm. Okay. Avec les fibres. C'est de mémoire, là, c'est ce qui fait. Je sais, la nigelle nasale fait une différence dans mon confort, oui. C'est juste que là, on rencontre un problème spécifiquement avec l'huile de nigelle. Fait que je sais pas, c'est drôle que tu en parles. Puis j'ai reçu plein de témoignages dans les dernières journées sur la nigelle aussi. Mmh. Mais on reçoit en même temps des analyses qui nous perturbent un peu. C'est la première fois que ça nous arrive. Donc, voilà. Je voudrais dire assez, merci pour vos produits qui ont changé mon extérieur et mon intérieur. Merci, Doris. Et merci, Annie, t'es très pertinent.
Ah, merci, c'est gentil. Ça fait beaucoup de sens et merci de venir, de participer avec ta perspective et ton regard et ton expérience. Et là, tu es proche de la ceinture noire, c'est ça? Oui, c'est vraiment, si tout va bien, là, si tout va bien, l'année prochaine, je vais passer mon grade de ceinture noire à Okinawa. Alors, je m'en vais à Okinawa pour la deuxième fois parce que j'y étais l'année passée. J'étais supposée d'y aller cette année, mais là, il est arrivé des événements et tout ça, là, avec le décès de ma mère et tout. Alors, ça a été annulé cette année. Mais l'année prochaine, c'est ça. J'ai dit, avec mes articulations qui vont tellement bien maintenant, j'ai dit là, parce que c'est ça, je fais des arts martiaux, mais je fais le karaté, c'est ça, Shorin Ryu traditionnel, et je fais le Kobudo aussi au niveau de la fédération Shorin Ryu. Mais le Kobudo, c'est avec les armes. Alors, c'est pour ça que ça me prenait vraiment des bonnes articulations parce que j'ai plusieurs armes à manipuler. Et c'est ça, si tout va bien, mais l'année prochaine, je retourne à Okinawa pour le stage international et pour faire ma ceinture noire en Kobudo là-bas. Et ensuite, ça va être la ceinture de karaté, ceinture noire. Ouais. Ah, Alors, j'ai de l'espoir, mais c'est ça. Avec les bons suppléments, avec les bons compléments naturels, alimentaires et tout ça qui sont fabriqués à Maison Jacinthe. Puis c'est pour ça que moi, ça a changé ma vie de façon tellement positive, là. Mais c'est ça. Je te dis un grand merci parce que c'est vraiment, il y a vraiment un souci de la qualité, de la synergie entre les produits et tout ça, de vraiment qui est incomparable sur le marché. Moi, j'ai rien vu qui était aussi bien, aussi de qualité. Puis je vois toute en écoutant tes directs et tout ça, toute la bienveillance qu'il y a en arrière de tout ça aussi, puis vraiment une authenticité, puis une honnêteté vraiment pour aider les gens là. Mais moi, en tout cas, ça a fait tellement une belle, belle différence dans ma vie. Puis c'est pour ça que je te dis, je vous dis merci parce que c'est vraiment de sentir bien dans sa peau, physiquement, mentalement. J'ai dit, oh, on peut accomplir des belles choses. wow, merci Annie, merci infiniment. Les gens t'ont adoré, apprécié, oui. Et on va penser à toi, mais on va se revoir. Là, parce que t'es trop. J'aime trop parler avec toi. Faut qu'on prenne ça. Et bravo, bravo. Donc aujourd'hui, oui, on a parlé de la styliste et de ce que ça fait. Donc la styliste est homologuée pour la santé et la beauté de la peau, des cheveux, des ongles. Et c'est pertinent de le prendre, c'est intelligent de le prendre en même temps que le collagène, et parce que c'est un tissu de cohésion et les scientifiques s'entendent pour dire que c'est un nutriment essentiel. Donc, le collagène marin, qui est notre numéro un depuis sa sortie, depuis 3 ans, je pense, incomparable sur le marché, vous allez avoir des effets avec notre collagène, c'est assuré. Et tu sais, tu parlais de notre qualité, moi j'ai dit à Sylvain, je dis, on est les meilleurs. Mais il dit, Jacinthe, il dit, on sait jamais. Ben, j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, j'en connais pas d'autres, là, pour l'instant, on verra bien. Si le, t'sais, tant mieux si les autres, t'sais, s'intéressent à mettre de la qualité dans les suppléments et non juste à être une entreprise, t'sais, mais il y a aussi le fait qu'on est en direct avec vous. Donc, t'sais, on n'a pas besoin de donner 50 à 60 % à une chaîne. T'sais, quand on trouve des affaires ailleurs, il y a un montant de 50 à 60 % qui n'est pas dans la capsule. Donc, nous, on jongle parce qu'on en met, vous avez des factures d'ingrédients dans chacun des suppléments, des super-aliments, des produits de santé naturelle que vous trouvez chez nous. Vous en avez. Vous avez, tu sais, soutien santé, 5 axes, tu sais, du vieillissement. Vous n'avez pas que du resvératrol puis un concentré de polyphénol. Et nous, on va aller chercher les meilleurs d'hydroxytyrosol, pardon, on va aller chercher les meilleurs aussi. Et après, on jongle avec les prix pour tenter de vous donner le même prix que ce que vous retrouvez sur le marché. Mais dites-vous une affaire, c'est que vous avez là ce que ça prend. Puis il y a quelqu'un qui challengeait mon chum à la fin, mais il dit, comment vous faites? T'sais, mais il dit, c'est ça, t'sais, puis on n'a pas à payer de porte-parole parce que je suis là avec vous. Il y a donc tout l'argent est mis là. T'sais, oui, en même temps, il faut
continuer d'avoir ce succès-là pour durer. Et oui, on a des équipes qu'on doit bien rémunérer et avec grand, puis on a des maisons. Mais on fait des miracles grâce à notre façon de faire qui est celle-là. Et c'est pour ça que vous vivez une différence avec nos suppléments. Je voulais peut-être ajouter aussi, parce que j'ai dit, je ne veux pas quitter sans le dire aussi, parce que même pour les trois sortes de protéines que vous avez, petits fruits, vanille, chocolat, avec le cacao aussi que moi j'ai rajouté, je veux dire parce que moi j'en prends aussi tous les jours, et j'ai donné de tes protéines aussi à ma mère, qui était vraiment comme en fin de vie, qui ne mangeait pratiquement plus à l'hôpital, et à un moment donné, elle ne mangeait plus, mais la seule chose qu'elle était capable de prendre, d'assimiler tout ça, c'était tes protéines. Alors moi, j'y faisais des shakes de protéines, et je rajoutais vraiment soit que ce soit la protéine de petits fruits, vanille, chocolat, je rajoutais le cacao, je rajoutais le collagène à l'intérieur, je rajoutais aussi, j'ouvrais la capsule, je rajoutais complexe B à l'intérieur. Écoute, ma mère, là, vraiment, là, j'ai prolongé ses semaines, mais avec un état d'esprit, les yeux qui s'ouvraient, elle avait une force et tout ça, parce que des fois, la seule chose qu'elle pouvait prendre dans la journée, c'était tes protéines. Et vu qu'ils sont facilement assimilables, elle trouvait ça bon aussi. Elle est, oh, c'est bon, Annie, tout ça. Et elle buvait tout son chèque de protéines. Elle voulait pas prendre la nourriture de l'hôpital. Ça l'intéressait plus. Elle était plus capable. Mais les chèques de protéines, mais ça a fait en sorte qu'elle est revenue avec une belle énergie. Elle était nourrie, mais vraiment nourrie. C'était vraiment bien assimilé, tout ça. Puis, vraiment, j'ai pu prolonger les semaines avec ma mère, mais avec une énergie qui était retrouvée. Et avec, grâce à tes protéines, ben j'ai dit, et après ça, je redonnais du collagène, je redonnais le complet aussi. Ben, je la nourrissais, mais j'ai dit comme, si c'est bon pour moi, ben j'ai dit, je vais l'essayer pour ma mère. Mais pour toutes ces personnes âgées-là, qui sont en manque de protéines, qui ont de la misère à digérer, que c'est pas facile et tout ça, puis on sait qu'en vieillissant, il faut augmenter notre niveau de protéines. Mais j'ai dit, les tiennes qui sont facilement assimilables, qui ont bon goût en plus, que tu te sens que nourri, comparativement à d'autres protéines que j'ai déjà essayées, comme le petit lait et tout ça. Mais j'ai dit, ça, là, c'est vraiment, là, c'est ça que je voulais dire avant de terminer, parce que pour les personnes qui cherchent des protéines, pour les personnes âgées, tout ça, qui sont en manque d'énergie, puis même avec ma mère, j'ai dit, comme, oh, complexe B, oui, on a une petite capsule, on met ça à l'intérieur, un petit peu de magnésium, tout ça. Oh. Puis, elle revenait à elle. Fait que j'ai prolongé son temps avec moi, mais d'une belle façon, avec une belle énergie. Alors, grâce aux protéines, aux collagènes, aux complets, tout ça, fait que j'ai dit, c'est vraiment là, des belles alternatives là, pour les gens comme ça qui sont vieillissants, mais même pour nous, mais pour les gens comme ça là, qui ont de la difficulté à manger ou à assimiler tout ça, j'ai dit, et que ça fait une belle différence, vraiment. Les gens sont émus, moi aussi. Merci, Annie. Fantastique. Merci beaucoup. Et on va, en tout cas, partage-nous, parce que les gens veulent, oui, qu'on partage ce que tu prends. Donc, ouais. On va partager ton menu. Je vais vous partager le mien aussi. Comme ça, vous pouvez, tu sais, aller entre un et l'autre. On a les deux le même an. Ben, j'ai 51. Mais, tu sais, puis ça va bien, là. Tout va bien. Fait que tout va super bien. Ouais. Donc, merci. Et oui, ça devrait être servi en CHSLD. Ah oh, oui. Et loin, tu sais, parce que... Oui. Vas-y. Oui. Excuse-moi, au lieu du fameux ensure qu'ils donnent, là, le ensure au pacan, là, avec 10 grammes de protéines seulement, mais avec 50 grammes de sucre. Alors, c'est ça qu'on donne en CHSLD, c'est ça qu'on donne à l'hôpital. Oh, ben oui. C'est horrible, horrible. Le sucre est partout. Mais c'est comme, OK, on va lui donner des protéines liquides. Je dis, c'est quoi vous donner? Là, il arrive avec ça. Ah, le ensure. Mais c'est comme, OK, c'est 50 grammes de sucre pour un petit 10 grammes de protéines. Je vais donner les protéines de Maison Jacinthe. Je pense que ça va être beaucoup mieux, mais mieux assimilé. Puis en plus, ma mère a dit, oh, c'est bon, j'aime ça. Je dis, oh,
je vais t'en donner encore, maman, allez, allez. Fait que c'est vraiment, elle avait au moins un à deux repas complets par jour avec tes protéines, le collagène et toutes les petites vitamines que je rajoutais comme ça pour l'aider. Alors, ça lui a donné vraiment là plusieurs semaines comme ça en étant là beaucoup mieux physiquement et mentalement aussi. Mentalement aussi. Il y avait un éveil parce qu'elle n'était plus capable de parler. Et là, elle s'est remise à parler, les yeux grands ouverts. Elle était capable de... Et là, elle revenait avec de la force au niveau de ses bras. Juste me serrer dans ses bras, j'ai qu'en fait, on continue les protéines, on continue les vitamines et tout ça. J'ai dit là, j'ai vu comment que... J'ai dit, on pouvait... c'est ça, on pouvait voir une différence, comment qu'elle était bien nourrie. Vraiment. Sophie dit la dénutrition et la déshydratation enfin augmentent la souffrance physique et mentale. Ouais. Et puis n'oubliez pas un petit parfum autour d'eux. Là, si jamais vous accompagnez quelqu'un, je me suis promenée dans les couloirs des hôpitaux pendant 3 mois dernièrement pour maman aussi. Puis c'est des montagnes de boîtes dans ce. Fait qu'il doit y avoir quelque chose en arrière de ça. Ah, c'est sûr, Des montagnes. Des montagnes. C'est ce que. Mais le sucre qu'il y a là-dedans, là, c'est pour le peu de protéines, avec la concentration de sucre, c'est horrible. C'est horrible. Puis là, il leur donne des petits jus, mais il n'y a pas de fibres dedans. C'est juste le jus. Tu vois ça, là, c'est que du sucre. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de bon gras. Fait que non, c'est pour ça que moi, j'ai été avec tes protéines. Les minéraux, les vitamines et tout ça. J'ai dit, j'essaye et j'ai vu vraiment une belle différence, là, une énergie physique et mentale. Là, c'était beau à voir. Ouais. Annie, tu es belle à entendre et à voir et à constater. Les gens t'écoutent, ils me disent des heures et des heures. Fait qu'on surprend ça parce que c'est fascinant. Et juste pour répondre aux questions, la gamme coréenne, donc la mousse et tout ça, c'est pour les 25 ans et moins. Donc, ce n'est pas... Oui, vous pouvez l'utiliser. Oui, c'est agréable, mais ça n'a pas la qualité, et vous le voyez de par le prix anti-âge que nos formules, nos nettoyants ont. Mais oui, vous pouvez, et pour quelqu'un qui a une peau sensible et qui ne cherche pas d'huile essentielle, vous pouvez y aller aussi avec ça. Mais elle est destinée aux 24 ans et moins. Donc, voilà. Et merci, Annie. Donc, je vous rappelle que le collagène marin, notre collagène marin sans saveur, donc qui s'ajoute à tout, 40,80 $ au lieu de 51 $. Et la stylisse est à 40 $ au lieu de 50 $. Et les deux fonctionnent vraiment bien ensemble. Mm-hmm. Autant au niveau des articulations que de la peau, que des cheveux, que des ongles. Donc, vous allez avoir vous avez là un duo qui change la vie. Vraiment. Donc, voilà. Et on réécoute et on écrit tout ce que Annie prend. Et ça sera pas long. Les gens vont te réécouter. Merci beaucoup, Annie. Merci. Merci. Merci tout le monde. Bye bye.